En 10 ans, où es-tu? Que fais-tu dans 10 ans? Je vais chanter de l'opéra et je vais être un docteur. Oh, OK, des belles ambitions. Si tu avais un super pouvoir, lequel ça serait? Pour les personnes qui sont malades, je veux qu'ils ne soient pas malades quand je lui donne comme une boisson, quelque chose. Oh, c'est vraiment beau. Je me sens légère. Toi, Mehdi? Absolument, je me sens légère aussi. Excellent, Joséphine, bravo. C'était vraiment un plaisir de voir ça. T'as vraiment un coffre extraordinaire et t'as une belle précision aussi avec tes mouvements de main et avec ton regard. C'était très beau à voir. Merci et bravo encore. C'est vrai, puis dis-moi donc, là, quand même, ça, c'est de l'opéra, là, hein? C'est du chant classique. Toi, t'as décidé de prendre ça comme ça, un style simplement comme ça? C'était mon père qui a décidé que je vais chanter l'opéra. Ah ouais, comment ça? C'est parce qu'il a vu sur l'Internet et il aimait beaucoup.
Puis là, il a décelé que peut-être t'aimerais ça. Mais là, t'as quand même accepté de chanter ça. T'aimes ça? Qu'est-ce que ça te procure de chanter si haut comme ça? C'est parce que c'est rare de voir les personnes comme ça. C'est vrai, puis t'es comme une perle rare en plus. Bravo encore une fois, Joséphine, mesdames, messieurs, bravo!